Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac pro SSP, accompagnement soins et services à la personne, de 2015 à 2018. À la sortie de mon bac, j'ai travaillé en EHPAD et après l'EHPAD, je suis venue chez O2 en début 2020. Alors on commence le matin par tout ce qui va être les toilettes, l'aide au petit déjeuner. Après, on va partir sur le midi, donc on va préparer le repas pour certaines personnes. Après, on va les aider au repas pour ceux qui sont plus dépendants que certains. Passage aux toilettes pour les personnes qui vont en avoir le plus besoin. Et ensuite, on finit par une petite discussion et on s'en va. Le soir, c'est comme le midi. Après, c'est l'aide pour se mettre en pyjama et puis suivant leur envie, une petite discussion s'ils en ont envie ou s'ils ne le souhaitent pas, et ben je les laisse tranquillement devant la télé. Je dirais la bienveillance, l'empathie et l'écoute. Accompagner les personnes, les aider dans les actes de la vie quotidienne sans pour autant faire à leur place. Et les moments de discussion qu'on peut avoir, partager leur vécu à eux, pouvoir bien discuter avec eux, avoir une bonne relation, ça crée des liens. C'est tous les matins quand je rejoins ma cliente chez qui je vais depuis 3 ans, avec qui j'ai un lien particulier, où on a pas mal de discussions sur sa vie d'avant quand elle était plus jeune, ce qu'elle faisait, son métier. Parce que je peux avoir des clients réguliers, mais aussi parce que c'est pas toujours les mêmes journées, c'est pas rythmé toujours de la personne âgée. Je fais aussi de la garde d'enfants et aussi un petit peu de ménage, donc ça permet de rythmer les journées différemment. Si toi aussi tu veux avoir un emploi du temps varié, pouvoir créer des liens particuliers avec tes clients, n'hésite pas, rejoins-nous.